Et bonjour à tous tout le monde, on se retrouve pour ce 37e épisode déjà les gars de ce Pokémon Let's Go Pikachu. On avait fait quoi la dernière fois? On avait capturé Mewtwo, on avait battu la ligue, on avait à peu près tout fait. Mais il reste quand même des choses à faire, il y a le post-game hein. J'ai vu, bon il n'y a pas un million de trucs non plus à faire dans ce post-game. Mais il y a des trucs à faire donc on va les faire. Parce que moi j'aime bien faire à peu près tout ce que le jeu me propose, surtout quand c'est un Pokémon, quand c'est un jeu Pokémon. Voilà, je trouve ça stylé. Donc déjà ici pour commencer, je pense que j'ai oublié une CT ici. Je sais plus c'est qui me l'avait dit, mais on me l'avait dit. Ah, il y a les experts Tignon et Kikli ici. Putain, stylé, on va pouvoir faire l'expert Kikli, je pense. Oh, je suis la coach. Ouais, cette coach, je l'avais pas faite. C'est vrai, bien vu au mec qui m'a dit ça. En plus, ça me donne, je pense, point éclair. Hein. C'est bien ça, je pense. Parce que je pense qu'il y a une, il y a dans une de mes vidéos, j'ai dit putain, j'ai pas, enfin, j'ai point glace, j'ai point feu, mais j'ai pas point éclair. Et il y a un mec qui m'a dit, bah, normal, t'as pas battu la coach qu'il faut pour avoir point éclair. Et j'ai été voir et elle est bien ici. Ouais, on va faire vol, hein, même pour les si niveau 32. Bon, niveau 32 avec n'importe quel truc on le pète. Ah ouais, j'ai XP mes Pokémon entre temps. Il y a Ptera qui est niveau 66, il était niveau bien plus bas. Mes autres Pokémon sont tous aux alentours du niveau 75, plus ou moins. Bon, je les ai montés parce que les experts sont plus ou moins niveau 70, 75 même. Et Red, je pense qu'il a des Pokémon niveau 60, 70, 75 aussi. Donc j'ai monté mes Pokémon, je me suis dit voilà. On va monter comme ça on est tranquille. Putain, ce Electek, les gars, il m'a rendu fou. J'ai essayé de capturer un Electek Shiny pendant 3 heures ou 4 heures. Et j'ai pas réussi. À un moment donné, j'étais une chaîne de, je pense, 60 Electek. Ça faisait 3 heures que je chassais. Je me dis, à un moment donné, il va tomber. C'est pas, je tombe sur un putain d'Electek, je lance 2 Pokéballs, le mec il s'enfuit. Ça m'a niqué toute ma chaîne. Et là, j'étais deck, j'avais envie de pleurer parce que j'avais perdu 3 heures de ma vie à faire ça. Alors que j'aurais pu faire autre chose. Voilà, point éclair, ça peut être utile, les gars. Ça peut être utile, point éclair. Bah, les gars, est-ce qu'on tente ce... Je savais même pas qu'il était là, l'expert Kikli. Parce que j'ai un Kikli dans ma team, hein, vous voyez, 74. Est-ce qu'on tente l'expert, là? De toute façon, il faudra les faire, hein. Pour battre Red, il faut battre 6 experts, je pense. Laisse-moi t'annoncer la couleur, je suis un expert Kikli. Et mon but, c'est de rencontrer le meilleur Kikli au monde. Pour te battre contre moi, mon grand, mets ton Kikli en tête de l'équipe. C'est en haut à gauche. Putain, mais c'est le premier expert que je vais faire. Hein. Je sais même pas comment ça se passe. Je sais pas comment ils sont. Apparemment, ils sont bourrés de bonbons. Enfin, j'ai aussi donné des bonbons à mes Pokémon. Normalement, ils doivent être assez forts. Hein. Je vais te défendre face au mien. Allez, il est temps de laisser nos Kikli s'affronter. Allez, Kikli contre Kikli. Pire des cas, j'ai des potions, je pense. Je suis pas sûr, mais je sais même pas si on peut utiliser des potions dans ces combats. Putain, je sais même pas. Il doit avoir des attaques de fou, le mec. 75, hein. Allez, on va lui faire un séisme. Putain, déjà, il est plus rapide que moi, le fils de. Ah ouais. Putain de merde. Eh, c'est pas possible, les gars. Non, non, non. Mais c'est quoi c'est quoi cette merde? Sérieux? Putain de merde, mais comment on va faire? Le mec il est ultra rapide. Or que mon cookie déjà il est rapide de base. Mais il m'a fait un coup critique. Peut-être que sans coup critique on meurt pas, mais. Nous on le battra jamais, le mec il doit être bourré de bonbons, mais de. Ah ouais, non, non, c'est impossible. Même sans coup critique, il me pète le mec. Oh, bordel de chiasse. Comment on va faire pour battre les... Comment on va faire pour battre les coachs, les gars? Enfin, les coachs, les experts. Putain. Je savais que ça allait être compliqué, mais pas à ce point. Hein. Putain, là, ça me. Aïe, 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 quoi. Bref, on va aller faire les petits trucs qu'on peut faire après la ligue. On essaiera de revenir sur ces experts après. Parce que, ouais, putain. C'est pas possible, hein. Je sais pas comment je vais faire pour les battre, les gars.
Alors, on va venir à la salle de Paul. Il y a un mec qu'on peut affronter ici. Putain, je suis deg. Les gars, ça m'a niqué le moral. Là, je sais pas comment. En plus, j'ai même plus de bonbons à donner à mes Pokémon. Putain, comment on va faire? Putain, il faudra que je. Là, il y a un expert tas de mort. Putain, il faudra que je. Je sais pas comment je vais faire, hein. Bien, il faut que j'XP mes Pokémon niveau level 100 pour les battre, mais. Je sais pas. Je sais pas comment on va faire, les gars. Il faudrait que j'XP un peu plus, peut-être. Faudra que j'XP un peu plus. Alors, ici, on peut battre Amos, je pense. Il était où encore ce. Ah, ouais, je pense qu'il est dans le bureau de Giovanni. À mon avis. Putain, là, je suis choqué par la force des experts, hein, les gars. Je vous promets. Je sais même plus si c'était par là qu'on devait aller, qu'on allait au bureau du mec. Je pense que c'est comme ça. Hop, là je viens ici. Ouais, je pense que c'est là où on devait prendre l'ascenseur ici. On devait aller, je sais plus à quel étage. Moins 4, c'est ça? Je pense que c'est ça. Alors je vais juste changer de Pokémon en première position. Déplacer. Alors il y a quand même pas mal de choses à faire. J'ai vu aussi qu'on pouvait rebattre tous les champions d'arène. On les fera. Parce qu'ils ont une nouvelle team, je pense. Enfin, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas regardé ils ont quoi comme Pokémon. Je me suis pas spoil. Ils ont une nouvelle team, ils ont des Pokémon niveau très élevé apparemment. Tous les champions d'arène. Hein. Et apparemment dans la dernière arène c'est Blue. Donc ça peut être bien qu'on refasse aussi les arènes. On va les refaire, on va les refaire. Là déjà on va faire ça parce que j'ai vu qu'on pouvait rebattre ce mec. Alors c'est quel niveau? Je me suis rien spoil, hein. J'ai juste vu ce qu'on pouvait faire en post-game. Je me suis pas spoil les Pokémon qu'ils ont. Il est niveau 54, bon bah on va le défoncer au calme. Hein. Sans souci, allez, éboulement. Ah, il tient l'enfoiré, il a la trouille, bon. Je suis désolé gros, hein. Je suis désolé mec. Bon, moi on prendra de l'XP, c'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça les gars. Ouais, pas des masses non plus. Magmar. Ok. Ah, c'est vrai que le souci ici, c'est que j'avais pas Pokémon. Oh, bon, j'ai Dracolosse, je pense, avec une attaque haut. Cascade, ouais. C'est cool, ça peut être cool. Faudra que je reparte à la chasse Shiny d'Electek là. Il me faut un Electek Shiny, les gars. C'est un des Pokémon préférés, Electkable. Electek aussi, je le kiffe. Et tant que je capture pas Electek Shiny, les gars, je veux pas être tranquille. Faudrait que je. Faudrait un jour qu'un week-end ou quoi, je me pose et que je fasse la chasse. Mais vraiment toute la journée. Allez, cascade, normalement il tient pas. Hein. J'ai un putain de Dracolosse rigide, mon gars, boosté en attaque de ouf. Allez, Magmar, dégage. Il a quoi d'autre? Il a changé de team, hein, il avait pas ça avant, je pense. Nosferalto. Nosferalto, on va mettre Pikachu. Putain, j'imagine même pas la team de raid, mon gars. Il doit être hyper puissant. Avec des Pokémon cheatés, mais de ouf. Nosferalto. Ok. Nosferalto, bon, un petit. Au niveau 75, petit coup de tonnerre, mon gars, c'est bon. Faudra qu'on tente les autres experts pour voir si eux aussi sont comme ça. Mais à mon avis, si l'expert Kikli il est comme ça, je vois pas pourquoi l'expert Dracaufeu, par exemple, ne serait pas, tu vois. Faudra que j'XP mes Pokémon un peu plus. Hein. Je sais pas si par exemple, si mon Pokémon est niveau 80, est-ce que si je le mets, si je veux faire le combat contre l'expert et que son Pokémon est niveau 75, est-ce qu'il ramène mon Pokémon au niveau 75 aussi? Ou bien est-ce que je peux par exemple me battre avec un Pokémon level 100 contre ce mec? Telle est la question. Parce que si je peux me battre contre eux avec des Pokémon level 100, je le fais. Hein. Comme ça, je le baise, tu vois. Burk. Putain, il a tenu mon Pika Sprint, l'enfoiré. Je viens de tilter.
J'ai 20 niveaux de différence, mon gars. Putain, il doit avoir une défense de malade, hein, ce Smogogo. Hein. Je pense que c'était le dernier. Ouais. Bon, bah, on a battu le dresseur Amos. Parfait. Bah, qu'importe à présent. À dire vrai, je m'attendais à ce que tu reviennes ici. J'ai d'ailleurs écrit une lettre à ton intention. Je peux te la lire directement. Lucas, certes, félicitations pour ta victoire à la Ligue Pokémon. D'un côté, je ne peux m'empêcher de t'être reconnaissant d'avoir demandé à la Team Rocket. Cela va me permettre de partir sur de bases saines pour monter une nouvelle cellule encore plus puissante. Avec elle, je restaurerai notre gloire passée. Tu ne pourras pas nous en empêcher. Je quitte Kanto pour le moment et je compte sur toi pour ne pas me suivre et rester ici à jamais. Mes adieux les plus sincères. Très bien. Je n'ai aucune idée de ce que je comptais t'inspirer en écrivant cette lettre. Amos a déchiré la lettre. Sur ce, porte-toi bien. Ok, Amos. Ciao, à la prochaine. Ce fut un plaisir de te défoncer le cul encore une fois. Vraiment. J'allais dire... Ah ouais, les gars, j'ai commencé à tourner... J'ai commencé le tournage sur le challenge Pokémon Let's Go Evoli. Et je vous le dis, les gars... Il est là, le jeu, je l'ai acheté le jeu. Et je vous dis les gars, ce challenge, il est hyper compliqué. Et je suis en train de galérer de ouf. J'ai déjà tourné, je pense, 5 ou 6 épisodes dessus. Et putain, franchement, ce challenge, c'est un truc de fou, les gars. Il va sortir très bientôt. Une fois que tous les épisodes du Pokémon Let's Go Pikachu seront postés. Et une fois que tout... lui, c'est qui, lui? Dresseur, ok, Porygon. Et une fois que tout... que le let's play sur Naruto sera fini, et eh ben je commencerai à poster les épisodes sur le challenge le Pokémon Let's Go Evoli, les gars. Et je pense que vous allez kiffer, hein. Tête de ma mère, vous allez kiffer, je pense. Bon, on va, je pense qu'il y a aussi Jesse et James à affronter par là. On va y aller directement à dos de notre Ptera, hein, les gars, clairement. Lui c'est qui? Ronflex. Ah je peux pas, mais sérieux? Oh bordel, j'ai pris le truc au mauvais moment. Retour. Quand même 37 épisodes les gars sur ce jeu, hein. C'est le record, c'est mon let's play record. 37 épisodes sur un jeu. Je pense que celui-là qui avait le plus de vidéos sur le jeu, c'était je pense Mafia 2. Qui avait plus de 20 et quelques. Mais maintenant... Pokémon a dépassé largement. Ok, là il y a l'expert Nani. Okay. Alors les experts Dracofeu, ça je sais même pas où ils sont, clairement. Il faudrait que je regarde sur internet. Bon, moi l'expert Kiki, on sait où il est. Il est dans le dojo. Ils sont par là, non? Ah, ils sont là. Très bien. Alors eux aussi, on peut les rebattre. Une dernière fois, donc on va le faire. On va aller défoncer le fion encore une fois. De toute façon, je pense qu'on va, on va pas galérer du tout parce que leurs Pokémon doivent être niveau 50 aussi, plus ou moins. Peut-être qu'ils ont des nouveaux Pokémon, hein. Peut-être qu'ils ont une nouvelle team. Ce serait cool, hein, qu'ils aient une team genre 6, enfin 3-3 chacun, comme ça, ça fait 6. On fait un vrai combat. Battons-nous, Naniana, très bien. Ok. Team Rocket veulent se battre. Arbok et quoi ce Smogogo, sérieux? Peut-être ils ont plus de Pokémon. Ah ils ont deux Pokémon, sérieux? Putain ils auraient pu leur mettre je sais pas un Pokémon chacun en plus. Ouais c'est pas bien grave, faire éboulement comme ça, ça attaque les deux. Et avec Nidoking point glace, allez Smogo, parce que je sais qu'il est résistant, Smogogo. Putain, il est vraiment résistant ce Smogogo de chias. Hein. Regardez, il tient. Hein. Il a fait quoi? Regarde quoi? Il va paralyser. Oh, il paralyse mon Ptera, l'enfant. Ouais. Machouille.
Direct. Oh non, j'ai fait direct toxique sur un Pokémon de poison. Je suis con quoi. Ah, c'est pas grave, ça va tuer quand même. J'aurais dû faire. Machu, ça le tue pas. Ah si, ça le tue, ça le tue. Parfait. Et bien voilà, c'est terminé, c'est terminé. Parfait. Alors, mais comment est-ce qu'un sale morveux tel que toi peut être aussi fort? Je crois que je sais. C'est grâce à ton... Ok, il te donne la force de te dépasser. Avec ton Pikachu, tu pourras conquérir le monde. Que dirais-tu de te rejoindre à la Team Rocket? On va dire... Bon, tant pis, ennemi d'un jour, ennemi de toujours. Si jamais tu changes d'avis, fais-le nous savoir. Tiens, un petit cadeau cousu main, avec amour. Vous recevez une tenue Jesse James. Vous rangez la tenue de Jesse James dans votre mala costume. Très bien. Il y a aussi une tenue de flic là que j'ai pas encore pris. C'est bizarre, je sais pas quoi. Pourtant, on se prend le bec depuis le début. Mais là, je te regarde et je te sens apaisé. Oui, moi aussi, ça change. Tu l'as dit, on pourrait y prendre goût. Sur ce, la Team Rocket s'envole vers d'autres horizons plus verts. Ok. Bon, apparemment, on les reverra plus du jeu. Miaus, miam, miam, miam. C'est dommage que le Miaus là il parle pas comme dans le manga. Alors on va tester quand même la tenue hein. Mala costume. Voilà. GNG, c'est ça? Ouais, c'est sûrement avec leur logo et tout. Ouais, stylé. Bah. Ouais, c'est cool, hein, franchement. Chaussures, basket, très bien. On va mettre l'ensemble hein, pour tester un peu. Très bien. Pikachu aussi, là? Non, il n'y a pas pour Pikachu. Bon, tant pis. Monte le sac. Ah, stylé. On est en mode Team Rocket. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Alors, il y avait quoi d'autre que j'avais noté ici? Alors, visiblement, à Carmin-sur-Mer, il y avait Oléa qu'on pouvait réaffronter avec une équipe plus puissante. Donc, on va aller voir en vol. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Tac, 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 tac. C'est la Dopol. Ça fera rien. Carmin-sur-Mer. On va aller affronter Oléa une dernière fois. Hein. On va voir sa team comment elle est. Mais de toute façon, je pense que sa team ne changera pas hein, vu qu'il n'y a pas d'autres Pokémon. Il n'y a pas de Pokémon, d'autres Pokémon type fée ici. Je me demande comment je vais faire pour compléter le Pokédex. Parce qu'il y a des Pokémon que je ne retrouve que dans la version Evoli. Et j'ai personne pour me les échanger, tu vois. J'ai la version Let's Go Evoli chez moi, mais j'ai pas de suite. Donc c'est un peu compliqué. Et là, il n'y a pas la GTS comme sur la 3DS où tu peux t'échanger toi-même les Pokémon. C'était où qu'elle était cette pute? Ah, c'est là. Non, attends, parce que l'autre, il est paralysé, là. Attends, on va mettre un... Attends. On va quand même le déparalyser, hein, un minimum de respect. Ah, je veux pas le soigner, parce qu'à mon avis, ces Pokémon doivent être aussi niveau 50. Pas plus que ça. On a déjà 20 minutes, en tout cas, ça passe vite, hein. Il nous reste quoi encore à faire? Il nous reste... Ah ouais, il y a Green aussi qu'on peut affronter, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Green qu'on peut affronter. Il y a... Il y a Red, mais pour Red, il faut battre les experts. C'est chiant, ça, c'est chiant, ça. Alors, Monsieur Mime. Monsieur Mime, c'est Machouille, hein, dans sa gueule, directement. Niveau 54, très bien. Ah, il les tient, quand même. Leurs Pokémon sont quand même résistants à ces enfoirés, hein, je vous dis. En plus, j'ai plus de super bonbons pour faire monter mes Pokémon ou quoi. Je pense qu'après cet épisode-ci, je vais un peu XP mes Pokémon. Jusqu'au niveau 80 ou quoi. Pour être plus fort contre les experts. Parce que sinon, on va jamais le faire. On va jamais y arriver, les gars. On va jamais y arriver. Hein. Fenard. On va Nidoking.
Mais comment ils ont fait les gens pour battre les experts là? Sérieux? Mec, j'arrive même pas à faire une attaque. Il me tue en un coup. Ah, c'est un fenard d'Alola, merde. Putain, j'avais complètement zappé. Allez, direct toxique dans sa gueule. Et du type fée, donc c'est super efficace. Ah, en plus, il est poisonné. Elle a 3 Pokémon, hein. Ah, sérieux, je suis tombé amoureux. Ah non, mais pas pourquoi il y a le petit cœur. Je pense c'est parce qu'il a évité l'attaque par amour, un truc du genre, je sais pas. J'ai pas bien compris. Gros doudou. Ah, forcément, c'est les seuls types fées qu'il y a ici. On va garder Nidoking. Direct toxique. Sinon, ouais, les gars, le challenge que je fais sur Let's Go Evoli, putain, vous avez pas idée à quel point c'est un truc de fou. C'est vraiment. Limite, je sais pas si je veux tenir à plus de 10 épisodes. Hein. Clairement, c'est compliqué. On va essayer. Inch'Allah, comme on dit. De toute façon, ça ne dure pas plus de 10 épisodes. Je pense pas que je mettrai le challenge, parce que sinon, ça craint. Faut que ça doit durer au moins 8 épisodes, au moins. Gros minimum 8 épisodes, ça serait le mieux. Si ça fait moins de 8 épisodes, ça vaut pas le coup de poster. Je devrais refaire le challenge parce que. En fait, c'est tellement compliqué le challenge que je me suis fait imposer. Que. Qu'en fait. Que je galère trop en fait, tu vois. Donc voilà. En vol, on va aller dans la caverne azurée. Non, c'est ici. Azurée. Je pense qu'il faut mettre Mewtwo dans la team pour pouvoir l'affronter. Je sais même plus où elle est cette meuf. Je sais qu'elle est dans la caverne azurée, mais je sais plus trop où. Ah, il faudrait que j'aille acheter aussi la méga gemme de Ptera là. Attendez, on va quand même soigner pour Green parce que Green, je pense qu'elle doit avoir des Pokémon niveau 70. Hein. Je sais même pas d'accord comme Pokémon, on verra bien. En tout cas, je pense que c'est dans un des premiers jeux Pokémon où on affronte Green. Je pense que c'est le premier jeu Pokémon où on affronte Green. Dans aucun jeu, on peut l'affronter. Ok. Très bien. Parfait. Ouais, on a le temps de se combattre contre elle. Ok, bon, on va se mettre sur notre... Pour pas devoir faire tout le tour. On va sortir ce mec de la Pokéball. Voilà. Là, on peut faire sortir. Ça prend quand même du temps, hein, tout ce ramdam, là. Allez, hop. Où est Green? J'aime plus où elle est, hein, putain. Test navigation, ouais... Allez, on va venir ici. Alors ici, on sera dans la salle principale, je pense. Il n'y a pas des objets dans ces trucs. Bon, allez, venir. Pokéball. Putain, ta mère, on s'en fout de cette Pokéball. Pokéball aussi, sérieux, même pas un fossile ou un truc du genre. Une pépite ou un truc qui vaut cher, quoi. Hyper Ball. Putain, comment je vais trouver Green ici, quoi. J'aime pas où elle est. Ici, c'était pour aller capturer Articuno. Qu'est-ce que je raconte? Mewtwo, je pense. Je pense qu'elle doit être par là, parce qu'elle était tout près de là où il y avait Mewtwo. Allez, où es-tu, petite salope. Ah, si elle est pas là, nique ta mère, quoi. T'es sérieux? Ouais, c'est ici qu'il y avait Mewtwo. Ah, elle est là, putain, c'est bon.
Il faut que je le mette dans ma team, je pense. On va descendre tout en bas. Inclure dans l'équipe. Alors, je vais enlever Ptera vu que c'est le maillon faible. Vous êtes le maillon faible. Mewtwo, franchement, j'aime. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, clairement. On va mettre Dracolance, première position. Comme ça, dans le doute. Dans le doute. Allez, c'est parti pour ce combat, pour clore l'épisode. L'épisode 37, prochain épisode, les gars. On ira essayer de faire ces putains d'experts de chiasse. Ou bien, on ira faire les arènes. On ira faire les arènes, les dresseurs d'arènes. Il fait si sombre ici, je t'ai pris pour un Pokémon. Moi, c'est Green. Désolé, hein, on est un peu parti sur les mauvais pieds. Sinon, quel bon vent t'amène? Tu serais pas en train de chercher, je sais pas, moi, un Pokémon spécial par hasard? Mewtwo? Oui, exactement. Zut, je suis pas la seule sur le coup, c'est ça. Hein, quoi? Tu l'as attrapé? J'ai la rage. Il était pour moi, ce Pokémon. Ah, direct comme ça? Elle me demande même pas ma permission. Paf, elle me défie. Ordure. Ordure qu'elle est. Dresseuse veut se battre. Ah, Melodel, elle a 6 Pokémon. Hein. 6, 5, je sais plus. 5, 5 ou 6, bref. Putain, elle est type fée. Elle peut me niquer. Elle peut me niquer la gueule. Hein. 66 quand même. On va changer de Pokémon parce que ça va me faire chier. Un Nidoking pour la défoncer direct. Vas-y Nidoking, fais le taf. S'il te plaît. S'il te plaît. Elle a fait quoi? Protection. Putain de merde. Elle devient résistante aux capacités physiques. Ça c'est chiant ça. Allez, direct toxique. Ah, elle le tient. Mur lumière maintenant. Putain. Capacité spéciale, c'est ça? Allez, il faut vite en finir avec ce Melodef là parce qu'il va être chiant. En plus, j'ai 10 niveaux de plus presque. Hein. Si j'aurais été au même niveau qu'elle, j'aurais galéré. Hein, je vous le dis. Triple attaque. Vos encouragements, il évite l'attaque. Très bien. Tant mieux. Direct toxique de nouveau. Pour en finir. Alors, quel est son prochain Pokémon? Parfait. Parfait. Perfecto. On a eu cette conne. Prochain bouffon. Ah, Kikli niveau 75, 75, très bien. Fenard, alors c'est le Fenard d'Alola ou le Fenard. Quoi qu'il en soit, on va laisser lui. C'est le Fenard normal. Bon, on a quand même séisme, donc pas de soucis. Pas de soucis, les gars. No stress, il y a point S. Allez, hop. Putain, ils sont. Normalement, il doit prendre cher hein, dans cette merde. Hein. Il le tient quand même. Tricherie. Ok. Ah, c'est parce qu'il y avait protection aussi. C'est ça. C'est ça. Ça protège vraiment toute l'équipe pendant un nombre de tours. Allez, Fenard, tu dégages. Merci. Parfait. Hop. Mur lumière n'a plus d'effet. Très bien. Bah, tant mieux. Ampliflore. Alors, Ampliflore, les gars. Il n'y a pas photo, ça sera un gros drac au feu, mec. Et on va le faire méga évoluer en plus de ça. Hein. Comme ça, vous savez. C'est parti, Ampliflore. Très bien. Ampliflore. Est-ce qu'on le fait méga évoluer? Allez, drac au feu Y, bat les couilles. Et lance-flamme. Allez, j'aime ses âmes. Poum. Allez, gros lance-flamme dans sa gueule et on n'en parle plus. Normalement, il le tient pas, hein, pas déconner. Je veux bien que ces Pokémon soient résistants, mais là, à un moment donné, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Hein. Très bien, Kangourex. Kangourex, Kangourex. Type normal, bah là, c'est Kikli. Putain, la Kangourex et tout. Ça va, elle a une bonne team. Hein. Elle a une team équilibrée. Hein. Elle a une team équilibrée. Normalement là on va s'en sortir pas. Même s'il est. Je pense qu'il est résistant quand même, Kangourex.
Petit voltige, c'est parti. Il le rate pas, très bien. Et c'est le chaos direct, mon gars. Pas déconner. On rigole pas avec Kikli. Hop, 1134. Ah, ectoplasma, ça par contre. Ça par contre, tain, l'ectoplasma. Ah, ce Mewtwo, il sert à rien vu que je l'ai même pas entre... enfin, je l'ai même pas mis d'attaque qu'il faut et tout. Tu sais quoi, on va mettre Pikachu dans le doute. On va mettre gros Pika Pika dans le doute. On va lui faire... qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire un Pika Sprint pour commencer. Moi, je vous propose qu'on lui fasse un Pika Sprint pour commencer dans sa gueule. C'est stabé, c'est prioritaire. Ça va faire mal. Dans tous les cas, on se met bien, voilà. Bomber. Ouh, putain, si on aurait été au même niveau, les gars, il m'aurait mis presque KO, hein, je pense. Ou peut-être il m'aurait mis KO direct. Hein. Allez, dégage. Ah, elle a une bonne team, hein. Franchement, une petite team équilibrée comme ça. Tortank. Ah ouais, bon, on va garder Pika Pika. Putain, la Tortank quand même. Allez. Pourtant, Green, enfin, je l'aurais imaginé avec un... Ouh, méga évolution, sérieux? Je l'aurais plus imaginé avec un Florizarre qu'avec un Tortank, hein, pour dire la vérité. Oh, il a bluff, l'enfoiré. J'aurais plus imaginé avec un Florizarre qu'un Tortank, mais bon, soit. Ah, il prend la moitié. Ah, Hydrocanon, je le tiens pas, je pense, hein. Son hydrocanon méga tortank, je le tiens pas. Hein. Ouais, ça c'était sûr et certain. Bon, c'est pas grave, on aura quand même perdu un Pokémon. Ah, allez, est-ce qu'on n'enverrait pas Mewtwo pour finir en beauté? Même s'il est pas. Si je l'ai pas changé et tout. Allez, Psycho dans ta mère. Stabé, ça devrait faire mal hein, quand même. Yes, voilà. Terminons ça en beauté. Putain, elle avait une bonne team. Franchement, c'était un beau combat. J'ai aimé, j'ai aimé. Nidoking niveau 75, parfait. Et bien voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire maintenant? J'avoue, tu te débrouilles. Tiens, je te donne ça, ça te servira. Mewtwo 8X, ah, celle qui nous donne... parfait, bah écoute, tant mieux. J'ai une super idée. Ça te dit de rejoindre mon équipe avec Mewtwo? Bon, quoi? Green vous lance une Pokéball dessus. Qu'est-ce qu'elle fait? Green vous lance une Pokéball. Mais ta mère, qu'est-ce que tu fais? Elle essaie de me capturer, la folle. Elle me lance une Pokéball. Mais arrête! T'es chiante! Putain, mais ta merde! Elle est sérieuse! Réfléchis-y. Mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est quoi ça? Sérieux? Elle m'a donné des Pokéballs? Quel baiser cette meuf! On va les prendre, hein, c'est gratuit. Putain, quelle folle cette go! Allez les gars, on va se quitter ici pour ce 37e épisode. Merci à vous d'avoir suivi, merci à ceux qui suivent toujours. Et je vous dis, restez vifs, restez là, n'hésitez pas à vous abonner parce que le challenge Pokémon Let's Go Evoli arrivera bientôt. Et ça sera une folie. En tout cas, merci à tous les gars, on se retrouve très bientôt pour le 38e épisode, c'est Lucas RT. Ciao les gens!